La performance, elle est, c'est un véritable exploit parce que Avoine n'a pas perdu sur son terrain depuis je sais pas combien de matchs. Nous, on était venus pour faire un coup. Et j'ai dit avant le match que quoi qu'il arrive et quel que soit le résultat, la saison n'était pas terminée. Mais je confirme mes propos d'hier. En fait, on a été gagné et c'est une très bonne performance de notre part, mais ça ne reste que 3 points. Il se trouve qu'on revient à la hauteur d'Avoine, mais je n'oublie pas qu'ils ont un match en retard de plus que nous à jouer. Donc ça nous permet simplement d'espérer et puis de continuer notre petit bonhomme de chemin. Voilà, Armand a dit que la pression était sur nous. Je pense que moi je veux bien l'avoir, la pression, mais les joueurs ne me démontrent pas qu'ils l'ont. Ils ont simplement envie de bien jouer au foot ensemble et puis de faire le meilleur résultat possible. C'est simplement notre ambition jusqu'à la fin de saison. Forcément, quand on perd, on est déçu. Après, concernant le match, je pense que la victoire de Blois est tout à fait logique. Dès le début de match, on a senti que physiquement, ils étaient au-dessus. Après, je suis pas trop surpris. Après, on a la chance de mener au score. On défendait plutôt bien, puis on prend un coup de pied arrêté qui nous met dedans. Derrière, on prend un deuxième but. Alors ça, c'est un peu surprenant parce qu'on n'est pas coutumier du fait. En général, on est assez solide. Je pense que sur ce match-là, on manquait clairement de rythme. Et ça s'est vu tout au long du match. Donc voilà, pour nous, c'est un coup d'arrêt parce que c'est notre première défaite de la saison. Mais on va se servir de ça. Et puis en plus, on s'est fait un petit peu tanguer et tout. Donc c'est motivant. On va essayer de faire une bonne fin de saison et de rien lâcher jusqu'à la fin.